Salut à tous, c'est Rakipu et aujourd'hui on va tester un vieux jeu électronique qui date de 1982, le Donkey Kong. Alors c'est un jeu de type Game Watch, un peu comme celui que je montre. Donc c'est très simple, c'est un simple portage de la version arcade mais pour Game & Watch. C'est-à-dire avec la puissance d'une calculette électronique des années 80. Donc un affichage LCD basique. Vous voyez, c'était le genre de jeu assez rudimentaire. Mais bon, qui a fait un peu la renommée de Nintendo dans les années 80. Puisque ils étaient surtout connus pour leur jeu de cartes à l'époque au Japon. Donc, ah voilà. Donc le but. Vous voyez, c'est un peu différent de la version arcade de Donkey Kong. Là, il faut aller décrocher des espèces de trucs. Je sais pas ce que c'est. Afin de faire tomber le gros singe. Hop. Donc, on active la petite manette. On fait gaffe à pas se prendre des tonneaux qui veulent nous balancer sur la gueule. Le chacal. Alors. Aïe. Hop. Un pattern assez rapide, est-ce que je vais avoir le temps? Ouais, voilà. Donc là on en a décroché un autre. Ah, il me balance de plus en plus de tonneaux sur la gueule, cet enfoiré. Bon, alors c'est simple, on évite. On évite. Et on essaye de progresser. Bon, là, c'est pas évident, il m'a envoyé le paquet. Hein. Alors faut savoir que c'est sur ce modèle de Game & Watch qui est apparu pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, la croix directionnelle. Parce qu'en fait, à la base, à l'origine, Gunpei Yokoi voulait placer une sorte de stick analogique sur la bête. Yes, bien. Et bon, c'était pas tellement possible. Donc ils ont réussi à trouver le système alternatif de la croix directionnelle. Qui est maintenant utilisé sur tous les supports, toutes les manettes de jeux vidéo qui existent. Yep, un niveau de passé. Là, c'est bien. Le singe respect la gueule. Très très bien. Alors, faut savoir que c'est pas, contrairement à la version arcade, c'est pas Mario le protagoniste. Là, c'est un simple sauveteur. Oh putain, je l'ai pas vu venir celui-là. Ouais, c'est pas grave. On continue. Donc, c'est pas Mario, ouais. Enfin, Mario dans la version originale arcade. Oh là là, c'est chaud. Oh putain. Donc je suppose que ce n'est pas Pauline non plus qu'on doit sauver. Donc c'est le Game & Watch le plus vendu. Et je sais pas si c'est pas un des premiers de la série double screen, hein, c'est-à-dire où il y a deux écrans. Cette série qui a, au niveau de l'esthétique, qui a évidemment beaucoup inspiré le design de la Game Boy DS. Allez, 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 allez. Hop, yes, ça c'est placé. Très très bien. Bon alors c'est assez archaïque hein, comme jeu, je vous l'accorde. Mais bon, dans les années 80-90, pour beaucoup c'était un peu le premier contact avec... Avec Nintendo en fait. Hop là, très très bien. Bon bah écoutez, ça avance pas mal. Bon alors ça fait un bug que j'ai pas vu. Ah putain. Ah merde. Putain. Bon, y a mille moyens de se faire avoir, hein. Évidemment. Plus on avance dans le jeu, plus les patterns accélèrent. Fallait pas que les jeux soient trop simples à l'époque. Ah, tonneau. Et voilà, bon bah c'est le game over les amis. Bon bah j'espère que cette petite présentation rapide de Donkey Kong vous aura plu. Voilà, c'était le Rakipu. Peace, restez rétro.